सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की थपकियों से सुलाओ हमें, आसान नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों Adirage, tu ne pourras jamais trouver le bonheur. Jamais. Jamais. Tu devras répondre de tes actes. Tu paieras pour ce que t'as fait. Ta bêtise, ton ego. On détruit tellement de vies. Jamais plus tu ne seras heureux. Je te maudis à tout jamais. Quoi que tu fasses, peu importe ce que tu tenteras, tu ne briseras jamais, non jamais, la malédiction qui va s'abattre sur toi. Tu es condamné à Dirage. Tu es maudit. Dans cette vie et dans toutes celles qui suivront. Voilà comment Adirage a poignardé Virat le jour de ses noces. Ma nièce Gauri s'est donné la mort ce jour-là. Gauri s'est tuée parce qu'elle a préféré mourir plutôt que d'accepter d'épouser Adirage. Adirage était tellement bouffi d'orgueil qu'il détruisait tout ce qu'il touchait, qu'il approchait. Et après le meurtre, qu'est devenue Janky? La pauvre femme, après la mort de son fils, elle a complètement perdu la tête. Depuis ce jour fatidique, elle n'a plus pleuré ou prononcé le moindre mot. Elle passe tout son temps enfermée dans une pièce sombre, à jeter des sorts à Adirage. Devi a tout fait pour la soigner. Il a fait venir des guérisseurs, mais rien n'a marché. À partir de là, tout a empiré. Adila, j'éprouvais tant de ressentiments qu'il a mis le village à feu et à sang. Il a tout dévasté. Ensuite, il a commencé à cultiver de l'opium. C'est comme s'il avait été pris d'une folie meurtrière. Les villageois
ont beaucoup souffert de sa brutalité. Je me suis mal conduit. J'étais bel et bien un monstre. Non seulement j'ai tué mon frère, mais j'ai persécuté tous les gens de mon village. Ce qui est arrivé devait arriver. Le Tout-Puissant garde trace de tous les actes de chacun. L'être humain assume toujours les conséquences de ses actes. Personne n'y échappe. Excusez-moi! Masing, viens vite, s'il te plaît. L'état de Junkie s'est détérioré. Junkie? Adirash. Il va falloir que tu répondes à toutes mes questions maintenant. Je ne pourrai pas attendre 40 ans de plus. Grand-mère, grand-mère, on va s'occuper de toi. Allez chercher le docteur, dépêchez-vous. Ah, maintenant. Je veux rester ici. Je veux qu'il me donne enfin des réponses. Qu'il m'explique. Pardon. Je suis tellement désolé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Dans ma vie passée, c'est vrai, j'ai commis des péchés. Tout était de ma faute. J'étais tellement bouffi d'orgueil que je détruisais tout ce que je touchais. J'ai tué mon frère. J'ai tué mon frère d'un coup de couteau. J'ai tué Virat. Non, Junkie, non. Ce n'est pas Adiraj. Lui, il s'appelle Shub. Il est venu pour chercher la rédemption pour les actes commis dans sa vie précédente. Il est venu ici pour implorer ton pardon. Madame, je me suis vraiment mal comporté. Dans ma vie antérieure, je sais. Je n'ai jamais rendu personne heureux. J'ai seulement fait du tort à tout le monde. Vous pouvez me punir, mais... Pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Junkie. Thank you.
Madame. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Dites-moi que vous me pardonnez. Tel Dieu, une mère est censée faire preuve d'indulgence. Et Dieu pardonne toujours à ceux qui expient leurs péchés. Vous voulez bien me pardonner? Donnez-moi une chance de réparer les erreurs commises dans ma vie antérieure. S'il vous plaît, parlez-moi. Junkie. Attirage. Attirage. J'ai patienté. Pendant toutes ces années. J'ai conservé l'espoir d'obtenir les réponses aux questions que je me pose et de faire comprendre les erreurs que tu as commises en ce temps-là. Et donc, aujourd'hui, après avoir vu le changement en toi, Madame, on va vous soigner. Je paierai les soins. Il faut la conduire oui, à l'hôpital. Oui, oui, allons-y. Je ne veux pas. Je préfère rester là. Bientôt, je partirai pour un monde meilleur. J'en ai fini cette fois avec cette existence. Je pars, l'esprit libre et apaisé. Laisse-moi m'en aller, s'il te plaît. Madame, je vous en prie, ne dites pas ça. Mais il le faut pourtant. Maintenant, je peux te pardonner, mon fils. Oui, maman. S'il te plaît, je voudrais que tu fasses quelque chose. Dis-moi. Je t'ai clairement maudit tout ce temps. Voué une haine féroce. Alors que tu es mon fils. Mon fils est né. Oui, maman. Puis-je demander une faveur à mon fils aîné? Oui, maman. Je ferai tout ce que tu voudras. Je veux, mon fils, que ce soit toi qui allume mon bûcher et accomplisse le rite funéraire. Non ! Grand-père ! Non, maman.
Une mère a un cœur énorme. En m'accordant ton pardon, tu m'as absous de mes péchés. Mais moi, je ne pourrai jamais me pardonner. J'ai tellement honte d'avoir commis tous ces crimes. J'ai péché. Je suis responsable d'atrocités. Je t'ai fait tant souffrir. Mais aujourd'hui, maman, au nom d'Adiraj, je te présente mes excuses pour tous mes crimes. Vous devez vraiment partir maintenant? Monsieur, on est très impatients de vous voir chez nous à Vrindavan. Maintenant que je vous ai parlé, j'ai enfin les réponses aux questions que je me posais. C'était loin d'être facile à entendre. Ce n'est pas excusable, ce que j'ai fait dans cette vie-là. D'ailleurs, Shub. Nous sommes venus te dire qu'on était désolés. Nous implorons ton pardon. Nous avons mal agi. Non, Mansingh, arrête. C'était normal. J'aurais certainement fait pareil. Ne t'en fais pas pour ça. Finalement, j'ai eu ce que je méritais. Mansingh, je souhaiterais te confier une mission. Mais ne dis pas non. J'ai décidé de prendre le village à ma charge. Et je voudrais t'en confier la responsabilité. Ton rôle sera de veiller sur tout le monde. T'assurer que personne manque de rien. Écoute, Shub, Mansingh, non. Accepte la mission. Je me considérerai pardonné pour mes fautes. D'accord, Shub, je vais faire ce que tu me demandes. Ne t'en fais pas, le village ne manquera de rien. Allô? Allô, Shub. C'est étrange. Shub devrait déjà être là. Bonjour, docteur Sharma. Excusez-nous d'être en retard. Je t'en prie, Shub. On n'aurait pas commencé avant ton arrivée.
On va enlever les bandages du visage de la jeune fille. Elle a demandé si elle pourrait te rencontrer, une fois que tout serait complètement terminé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Choub ne va pas tarder, tu verras. Donc, je vais retirer ton bandage. C'est parti. S'il vous plaît. Tu ne pourras jamais trouver le bonheur. Tu devras répondre de tes actes. Tu paieras pour ce que t'as fait. Ta bêtise, ton ego ont détruit tellement, tellement de vies. Jamais plus tu ne seras heureux. Je te maudis à tout jamais. Tu es prête? Félicitations, le résultat est parfait. Ton opération a été possible grâce à ce monsieur. Je remercie Dieu de vous avoir placé sur ma route.
Je vous remercie, Shub. Un grand merci. Sans votre intervention... jamais trouver le bonheur. Jamais. Tu devras répondre de tes actes. Tu paieras pour ce que t'as fait. Je te maudis. Je te maudis à tout jamais. Quoi que tu fasses, peu importe ce que tu tenteras, tu ne briseras jamais, non jamais, la malédiction qui va s'abattre sur toi. Dans cette vie, et dans toutes celles qui suivront. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, mon passé me rattrape encore. Alors je n'en sortirai donc jamais. Tout ce qui se produit dans ma vie actuelle, c'est les conséquences de mes actes dans ma vie passée. C'était la raison de notre voyage. On est allé là-bas pour expier mes péchés. Alors dis-moi pourquoi Gori est là. Je suis déconcerté. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette fille? Je comprends plus rien. C'est le portrait craché de Gori dans cette chambre, Ange. Pourquoi? Frangin, on lui a créé un nouveau visage. Si elle ressemble à Gori, c'est tout à fait par hasard. Cette drôle de coïncidence me place devant un dilemme aujourd'hui. Cette fille ressemble à Gori, trait pour trait. Je vais demander à papa ce qu'il en pense. Ange, tu peux rester ici avec Gayatri. Le docteur Sharma a encore beaucoup de papiers à nous faire remplir. À Shub. Pourquoi il est parti comme ça? Cet homme a été confronté à tant de problèmes à cause de moi. Je dois ma vie à cet homme. Je lui dois tout, il m'a sauvée. Sans son intervention... Tu n'as pas à culpabiliser. Que ce n'est pas à cause de toi s'il est tendu. Je connais bien Shub. Shub a été si gentil à mon égard. Est-ce que ma famille en aurait fait autant? J'aurais tant voulu le remercier, Gayatri. Mais voilà, il est parti comme ça sans rien dire. Pourquoi, Gayatri? Pourquoi il est parti comme ça? Ah.
Où est Shubhanshu? Quelque chose ne va pas avec mon visage? Qu'il soit parti sans dire une parole? Shub avait un travail à terminer. Quelqu'un l'a appelé. Suani, tu n'es pas impatiente de voir ton visage? S'il vous plaît. Donc, j'ai l'immense honneur de te présenter à toi-même. J'y vais? Alors ferme les yeux. Et maintenant, ouvre les yeux. Fanny, il faut te reposer à présent. Dors un peu. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Hanch, tu veux bien m'accompagner? J'ai un formulaire à te faire remplir. Bien sûr, oui. Je ne sais pas qui est cette personne. Quel est mon nom? Où est-ce que j'habitais? Ce n'est pas mon visage. Je ne sais plus où j'en suis. Et j'ignore complètement ce que je dois faire. Je ne sais pas qui je suis, je ne connais rien de ma vie. Ce visage m'est inconnu. Je ne me souviens pas. Mon Dieu, je suis confuse, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune issue. En plus de ça, en plus, Shub a quitté la chambre sans rien dire. Tu n'es pas seul, on est avec toi. On ne va pas t'abandonner. Tu sais que le Seigneur ne néglige personne. Allez, tu verras que tout ira bien.
Maintenant, il faudrait essayer de te reposer. Je t'ai dit que tout irait bien. Mais la manière dont Shub a quitté la chambre me préoccupe beaucoup. Seigneur, fais en sorte que tout aille bien.